élève de Rabbi Akiva. Nous allons à présent parler de Rabbi Meir, surnommé Rabbi Meir Baal Anes. Tout d'abord, peut-être, de présenter celui que l'on appelle Rabbi Meir, mais qui en fait avait comme vrai prénom, selon le Talmud, Rabbi Nehoraï. La Gemara de demander « Pourquoi a-t-on changé son nom s'il s'appelait Nehoraï ?» Nos sages dans le Talmud de dire « C'est parce qu'il était Meir, il éclairait les sages d'Israël dans la Halakha. » C'est la raison pour laquelle on l'a appelé Rabbi Meir. Cependant, une question qui d'ailleurs est soulevée par nos sages, notamment le Ben Ish-Hai. Comment comprendre ? Voilà que le mot araméen « Nehoraï » veut dire aussi « la lumière ». Et le mot « Meir », c'est celui qui porte aussi la lumière. Alors, je veux bien qu'on dise qu'il s'appelait Shimon, et que parce qu'il éclairait, on va lui changer son nom pour l'appeler « Meir », celui qui éclaire. Mais lorsque déjà en araméen, son nom porte en lui la lumière, à quoi bon changer ? Et en bref, la question est de savoir quelle différence entre Rabbi Meir et Rabbi Nehoraï. La réponse à cette question dépend de deux dimensions de la lumière. En effet, une lumière, eh bien, elle peut avoir deux caractéristiques. Il y a des lumières qui ont une force d'éclairage seulement lorsqu'on s'approche d'elles. Elles sont une lumière, mais tant qu'on ne s'approche pas d'elles, elles ne nous éclairent pas. Par contre, il y a des lumières qui vont aller illuminer, éclairer, même ceux qui sont très loin d'eux. Rabbi Nehoraï, Nehoraï, cela veut dire « or la lumière », mais Meir, c'est celui qui va aller éclairer. Aussi, cela nous révèle qu'à la différence de beaucoup de grands sages, Rabbi Meir avait la caractéristique non seulement d'étudier pour lui-même, de faire partie de cette élite qui s'adonne, Yomam Valaila, le jour et la nuit, à conserver et à répéter ce qui fait l'héritage depuis le Mont Sinaï de notre Torah écrite et orale. Mais il avait aussi cette faculté d'être non seulement Nehoraï, une lumière, mais aussi d'être Meir, d'éclairer autour de lui. De là, nous apprendrons que chacun d'entre nous doit soit vouloir se remplir intérieurement de cette lumière de Torah, mais de faire en sorte que cette lumière puisse se répandre autour de nous et que nous aussi nous puissions à la fois porter ce qui dans la lumière s'appelle Nehoraï et pouvoir répandre autour de nous et éclairer nos amis et nos élèves comme Rabbi Meir. À très bientôt.